Les éditions Martin Doyleux, par un remarquable travail éditorial, font revivre l'œuvre de France Mazurel. Ce Belge, un peu oublié aujourd'hui, est l'un des pères du roman sans parole. À la fois peintre, dessinateur, graveur sur bois, il était aussi un artiste engagé, reconnu pour son humanisme et son combat de défense du peuple contre le capitalisme. Pacifiste convaincu, il diffusait ses valeurs grâce à ses livres dont les gravures racontent et dénoncent cette société de l'entre-deux-guerres. Ces livres, qu'il a souhaité accessibles à tous, tant dans le fond que la forme, et aussi par leur prix, ont fait de lui dans les années 30 un des étendards de la lutte ouvrière allemande. Son œuvre, aujourd'hui remise en lumière, accompagnée de dossiers explicatifs, éblouit encore par sa réalisation technique titanesque et par ses combats, sujet malheureusement toujours d'actualité.